en fait, faut être suicidaire pour l'avoir, sa médaille, c'est ça? Personne te filera de médaille pour avoir fait ton boulot, Huxley. Bon, alors, c'est bon, t'en es où? Hé, hey, ces machins sont sacrément dangereux, sergent. Ton sergent est à l'avant, soldat. Bon, écoutez, notre boulot, c'est de prendre le pont pendant que le convoi fait diversion de l'autre côté. Tant qu'on n'aura pas de blindés. Les Boches feront sauter le pont si des chars se pointent. C'est pour ça que Huxley va désamorcer les bombes avant que les Fritz les fassent exploser. Et qui a inventé ce plan génial? Le général Patton. T'as aussi un truc à lui reprocher? Ça me va, tant que c'est pas un ordre de McCullin. Ouais, y a aucun ordre qui vient de lui. Je te jure, ça fait 2 jours qu'il a pas ouvert la bouche. Qu'est-ce que tu dirais de lâcher le sergent et de t'occuper de ces bombes, le techno? Ouais, je suis dessus. On y va, bougez-vous! À côté du muret! Des Boches avec des flingues. Faites gaffe! C'est pas vraiment ce qui nous attend. Dix, on pourrait tomber dans un piège. Dix, si je suis une bonne fille, sais-tu, je peux l'aider. Je recharge. Allons-y. Une embuscade. Je vous l'avais dit. La ferme, couteau. Contre-moi.
munitions! Non, yes. On y va! Voilà la rivière! Huxley! Faut qu'il sait y faire, décolle tout le monde en bas! On y va, les gars! Un nouveau chargeur! Cette fenêtre! Il se fait de ça!
Popo. Cette mitrailleuse contrôle la place, il faut la prendre à terre. Sergent, on passe par la boucherie ou le café? Sergent? Sergent! Bon sang! Nikos, vas-y, et évite de sortir à découvert. Des lance-roquettes, détruisez-les! Au sous-sol, allez! Faire. Sergent, vous surveillez l'entrée pendant que Guzzo, Nichols et moi on vérifie l'étage. Sergent? Sergent! Guzzo, Nichols, on monte! Allez! Et un de moi! On se dépêche! Traverser le pont avec la jambe dans cet état. Un seul sapeur, ça suffira pas pour désamorcer la bombe, sergent. Sergent! C'est bon. Elles sont un système de visage spécial. Je crois pas, sergent! Elles sont un détonateur classique. Couteau, avec moi. Pas question. Dix, le sergent a perdu la boule. C'est du suicide.
Pas sûr, le sergent a fait partie du génie. Nichols, couvre le sergent. C'était sympa de t'avoir connu. On se dépêche. Vous avez fait votre devoir. Hé, hey, sergent, on va rester ici combien de temps? Jusqu'à ce que ta saleté de musique nous fasse repérer. Messieurs, nous allons prendre part à une offensive audacieuse contre l'ennemi. Ce sera soit la victoire, soit une mort glorieuse. Alors, on a le choix, c'est ça? Un peu de respect pour le lieutenant. C'est qui, celui-là? Le soldat Leslie Baron. Mais les présentations attendront. Les Allemands se sont retranchés sur la crête. Mes amis, nous allons la leur reprendre. Très bien, vous avez entendu le lieutenant? Exécution! Cole, prends cette calibre 50! Peterson, les munitions! Et coupez-moi cette foutue radio! Cette musique n'est pas réglementaire! Tu ferais vraiment mieux de surveiller la route.
gars puissent avancer. Allez! Reculez! À couvert! Charge posée! Ça va sauter! Passez jusqu'au sommet! Protégez nos blindés! Paul! Nous devons sécuriser les deux passages menant au sommet. Vous passez devant! Ah, Baron, vous nous avez manqué. Alors, cette sieste? Mais... mon lieutenant, je m'occupais de la radio. Vous auriez dû avoir une arme entre les mains. Le bataillon nous a contactés. Les Boches ont établi un poste de commandement dans un complexe industriel près d'ici. Bon. Alors, c'est là qu'on va attendre la contre-attaque des Boches. La nuit ne sera pas synonyme de repos pour eux. Pour vous non plus, d'ailleurs, Baron. Très bien. En piste! Attention, T-42! À couvert! Balancez des fumigènes! We'll be right back.
recule. Nettoyez ces bâtiments. Des Allemands à l'étage. Les Boches. En plus, on vit. Ramène-toi ici, Cole. Bon travail, les gars. Sergent Callard, sécurisez les entrées. Bien, mon lieutenant. Cole, avec moi. Il y a 4 entrées. On en bloque 3. Les Fritz vont être forcés de passer là où on veut qu'ils aillent. Allez! Pose une charge à la base. Je m'occupe de l'intérieur. Place derrière la fumée. Tirez.
chargeur. Foncez. Assurez un tir de suppression. Canadiens continuent à progresser vers le sud sur la route de falaise, contraignant les Allemands à se replier vers la ville. Tandis que la première division blindée polonaise protège le flanc ouest des forces canadiennes. Travaillant de concert, les quatre régiments repoussent l'ennemi qui se retrouve acculé. Les Allemands sont pris au piège entre les Américains au sud et les armées britanniques, canadiennes et polonaises au nord. Pour que ça fonctionne, la coordination doit être parfaite. Comme pour un ballet. Mais les soldats ne sont pas des danseurs. On devrait peut-être pas attendre. On devrait affronter Richter et ses chars. On est tout prêt. Trop dangereux. Richter a l'avantage. En blindés et en munitions. Alors on coupe les ravitaillements de Richter. Pour ça, on compte sur les Anglais. Ha! Très bien. La Roche, Doyle et le Caporal Keyes vont neutraliser les défenses extérieures et ouvrir le portail principal. Doyle, Keyes et moi allons neutraliser les défenses extérieures et ouvrir le portail principal. Une fois le portail ouvert, on pénétrera à l'intérieur. Le deuxième groupe sécurisera l'entrée, pendant que le premier détruira tout ce qui peut être utile aux Fritz. Keyes, vous avez intérêt à éliminer ces foutues sentinelles le plus vite possible. Avec plaisir. Faites gaffe à vous avec ces bouffeurs de grenouilles. Va te faire voir, pauvre Osbif. Ouais, c'est ça. Bonne chance à toi aussi. Allez, en route! Ok, le Frenchie, on y va. Los geht's! Sanitäter! Los geht's! Ich denke, okay, los! 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 Los!
aide-moi. On y va. Une découverte de fesses à notre Ruben. Ce bureau me permettra peut-être de la J'ai une bonne ligne de tir d'ici. Je pourrais me déplacer et tirer depuis ces chevrons. À tout à l'heure. Descends les escaliers, Doyle. Beau travail, les gars. Restez près de moi. J'ai pas assez de temps pour placer toutes les charges. Tiens, mais fais attention. Elles sont déjà amorcées, compris? Je vois, un taciturne. Ça me plaît. C'est normalement, c'est Frenchy! Allons-y! Garde un œil sur Lynn, tu veux? Thank you.
Très bien, voilà la situation. Il y a trois accès possibles. Par ces passerelles, par ces bureaux là-haut, ou tout droit par le niveau inférieur ici. Doyle, en pointe. Avec elle. Je vais nous chercher un véhicule. Dégotez-nous quelque chose. Doyle, couvre-moi. Bon sang, on peut pas respirer ici. Il vous en a fallu du temps. On a raté le train. Faites-moi rouler cette horche! Tourne à gauche!
Il est déjà mort. Pas les pattes, le français. Ou je t'enfroidis de mes propres mains. Vous ne pouvez pas l'aider. Il refuserait que vous risquiez tout pour un seul homme. Même pour lui. Doyle, prends le volant. Mais où t'étais fourré? Je suis parti pendant que vous placiez les charges. T'es qu'un lâche, voilà ce que t'es. En piste, Doyle, on y retourne. Alors il y aura deux cadavres de plus. Vous voulez en venir où, au juste? Ce qu'elle veut dire, c'est que votre commandant est non, déjà mort. Non mais c'est pas vrai! De quoi je me mêle? Les Allemands abattront Ingram à vue. Comme ils l'ont fait pour ton pote? Vous osez me traiter de collabo? Tout juste, ouais. Pour moi, t'es qu'un sale collabo. Votre major est mort. Et nous, on subira le même sort si on reste ici à se balancer des insultes en pointant nos flingues. Sept coups au but en sept jours. Il va nous falloir plus de peinture. Plus tard. Le soutien aérien est en route. On va entrer dans la ville. La chasse est ouverte. Pas vrai, Boater?
Non, on n'a pas de marge de manœuvre. Mais qu'est-ce que...
C'est lui ? Regardez ce char ! C'est celui de Richter ! C'est lui ! Le salopard qui nous a chassés de notre beau pays ! Bah alors, papa, vous n'êtes pas content ? Pourquoi je le serais pas ? Ils vont sûrement vous donner une promotion pour ça ! On va tous avoir une promotion pour ça !